Hey, j'ai appris ça quand tu danses là. Voilà. Moi c'est Jamila. Daniel. Oli. Eva. T'es trop chaud. Tu préfères prendre du plaisir ou donner du plaisir? Ça ne sert à rien que peut-être moi je sois satisfaite et lui non, ça fait c'est bizarre. Donc je préfère que lui le soit et moi non, il saurait mieux gérer. Je préfère partager le plaisir, vous voyez, donc je donne et je reçois. Tu préfères en donner du plaisir ou en prendre? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Relous 237. Avant de commencer cette vidéo, dédicace aux deux premiers commentaires de la dernière vidéo. Pour ceux qui nous découvrent, c'est 4 en 1. Abonne-toi, tu likes, tu cliques sur la cloche et surtout tu nous lâches un petit commentaire. Merci. Alors bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Ah, si tu vas bien, tout le monde va bien. Le Cameroun va super bien quand tu souris. T'es trop chaud. Ouais, moi c'est Josby et toi? Moi c'est Jamila. Alors Jamila, on aimerait savoir d'abord, t'es en couple ou tu es célibre? Je suis en couple. Bon les gars, non, je me plains pour les gars qui nous regardent, tu vois un peu, parce que les gars aiment bien les filles célibres. Alors, Jamila, la question est un peu personnelle, ok? Alors, dans ton couple avec ton gars, tu préfères prendre du plaisir ou en donner? Je préfère quoi? Prendre du plaisir ou en donner? Je préfère donner du plaisir et prendre du plaisir en fait, les deux en même temps. Tu préfères prendre du plaisir ou en donner? Bah, je préfère me donner. Pourquoi pas? Bah, juste que prendre du plaisir, je me sens aussi en l'aise, mais je préfère plus satisfaire mon conjoint. Donc, c'est un peu ça. Je préfère satisfaire mon conjoint. Bon, je préfère me rassurer qu'il soit plus satisfait, voilà. J'aime le way, j'aime le way, j'aime le way, j'aime le way. Celui qui dit qu'il n'aime pas le way est pédé comme Shakiro. Alors bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et vous? Moi c'est Josby et toi? Oli. Alors Oli, déjà on venait rien savoir, tu es célibe ou tu es en couple? Je suis célibataire. Je ne dis rien. Hein. D'accord. Alors, la question te concerne, Roli. Alors, dans l'éventualité où tu serais en couple, n'est-ce pas? Quand tu es en couple, là, tu préfères prendre du plaisir ou donner du plaisir? Bon, ma réponse n'est pas en fait parmi les deux qu'on vient de dire. En fait, je préfère partager le plaisir, vous voyez. Donc, déjà, je donne et je reçois. Je crois que c'est un peu ça. Donc, je partage le plaisir. Il y a un plus que l'autre. Lequel? Prendre. Tu aurais plus prendre du plaisir. Pourquoi tu n'as pas choisi l'autre? Parce que on aime mieux. En fait, je vais dire ça comment? On aime mieux que servir que pas. On aime mieux servir que pas soi-même. Ouais. Pour commencer. Du coup, je préfère prendre du plaisir que d'en donner. C'est ça. D'accord, on a bien compris. Si c'est, on est clair, tu dans une relation, tu préfères donner et prendre du plaisir, mais tu préfères plus prendre du plaisir. Et si ça n'est pas partagé, genre tu donnes et tu ne reçois pas, tu fais comment? Je vais essayer de voir, ça va changer au fil du temps. Et si ça ne change pas, je crois qu'il va me retirer. Si je comprends bien, tu préfères donner et en reprendre. Et recevoir. Et recevoir aussi. Parce que reprendre, c'est autre chose, mais je préfère donner et recevoir. Ah, d'accord. Bon, il faut qu'on puisse bien se comprendre, tu vois un peu. Je sais pas si on se comprend bien, mais de quel plaisir est-ce que tu parles même d'abord? C'est vous qui avez posé la question. Ça vous il faudrait que tu nous expliques un peu. Moi, je parle du plaisir en général. Ouais. Être dans une relation déjà, c'est avoir un plaisir. Je parle de tous les plaisirs qu'on peut ressentir dans une relation. En un détail, comme quoi, comme quel plaisir par exemple? Les jeux. Dis ce que tu penses. Les jeux. Dis ce que tu penses. Les jeux. Quel jeu? Je sais pas, tu peux être en train de jouer avec ta compagne ou ton compagnon. Déjà, vous dansez, parce que j'aime beaucoup la danse, vous dansez sur un son. Et tout
Et ça doit être un plaisir. Ton seul plaisir, c'est les jeux. Oui, c'est mon seul plaisir. D'accord, merci. De rien. Ok, c'était vraiment cool. Merci. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, n'est-ce pas? On aimerait que tu nous expliques un peu quoi. C'est de quel plaisir tu parles en fait? Quel est le plaisir que tu aimes bien prendre là? L'amour de mon proche, de mon conjoint. Mm-hmm. En quelque sorte. Son attention, son affection. Et tout ce qui va avec. Donc, tu veux qu'il te donne tout ça, mais tu lui donnes rien, tu lui donnes petit seulement. Je donne aussi, non. Waouh, toi aussi. Mais tu sais pas que dans la relation, toute la fille doit donner plus que l'homme. Non, comment? Quand la fille donne plus, même c'est plus risqué. D'accord. C'est l'homme qui donne. Là, tu es sûr même à 100% que non, la relation va durer. Merci beaucoup, Jamila. Ok, merci. Okay. Donc, j'aimerais savoir, donc, parce que depuis là, je ne te comprends pas, tu parles de quel plaisir? Bah, à ton avis, tu parles de quel plaisir? Vas-y, non, dis-nous. Bah... Dis-nous, n'aie pas peur. On t'écoute. Quand je parle du plaisir, donc une relation, c'est qu'il y a sur, il faudrait d'abord s'entretenir, s'échanger, tout ça, la joie de vivre et autres, bon, c'est ce plaisir-là dont tu parlais? Ça, oui, tout ce plaisir. D'accord, merci. Hein. D'accord, okay. Bye-bye. Merci. Alors, bonjour, mon Nyango. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Ouais, moi, c'est Josby et toi? Daniel. T'as donné un beau prénom. Allez, Daniel, une question assez taquine pour toi. Tu es d'abord, tu es célibataire ou tu es en couple? Célibataire. Je suis célibataire. Oh, je suis célibataire. Oui, je suis célibataire. Oh, quoi, je suis célibataire. Tu préfères, dans une relation, n'est-ce pas, prendre du plaisir ou en donner? Donner. Pourquoi donner? Parce que c'est mieux. Ça ne sert à rien que peut-être moi je sois satisfaite et lui non. C'est bizarre. Donc je préfère que lui le soit et moi non. Je saurais mieux gérer. Explique un peu s'il te plaît. Ailleurs, il n'a expliqué. C'est comme ça, juste ma façon de voir les choses. Je préfère donner plutôt que recevoir. Donc tu donnes du plaisir et tu ne demandes pas en retour. Si je demande, mais bon, si c'est pas possible, s'il fallait faire un choix, moi je préfère donner que ce soit lui qui donne. Ok. Et dans ton cas particulier, n'est-ce pas, c'est réciproque ou c'est toujours toi qui donnes? C'est lui qui donne. Tout le temps, c'est lui qui donne. Tout le temps, c'est lui qui donne. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir, n'est-ce pas, il te donne quel plaisir? Il me donne quel plaisir? Et de quel plaisir tu parles, en fait? Parce que je ne comprends même pas là depuis. En fait, tout est, dans tous les sens, que ce soit, je sais pas, sexuel, que ce soit, je sais pas, mental, je sais pas comment je veux dire ça, dans tous les sens, c'est lui qui le fait. Et toi, ça te gêne pas aussi? Tu as dit que tu préférais donner, mais maintenant, quand il donne, tu ne donnes pas. Bon, s'il insiste pour le faire, pourquoi je vais me retenir? Ok, merci beaucoup, c'était tout. Ok, merci, au revoir. Bonjour les filles. Bonjour. Ouais, comment vous allez? Moi particulièrement bien. Très bien. Ouais. Si vous allez bien, alors le Cameroun y va bien. Hein. Tu as un beau sourire, hein? Merci. Ouais, comment tu vas? Très bien. Ah, d'accord. Et c'est quoi ton blast? C'est quoi ton nom? Natacha. Tatiane. Tatiane. Ah ouais, ils ont les prénoms de benguistes là. Mmh. Bon ben, la question elle est simple. Toi, tu es en couple ou tu es célibataire? En couple. Et toi? Célibataire. Ok. Celle-ci est célibataire. Donc, je commence par toi. Dans ta relation là, tu préfères prendre du plaisir ou en donner? Prendre. Prendre. C'est vrai que tu n'es pas en couple, mais tu préfères prendre? Oui. Et pourquoi pas en donner? Bon, je ne sais pas encore. En fait, c'est vrai que quand tu donnes du plaisir, tu en reçois beaucoup plus. Oui. C'est un échange. C'est vrai qu'en donnant plus, tu reçois 1000 fois encore. Mais toi, tu préfères prendre plus et donner moins. Mais bien sûr. C'est moi, d'abord, je dois être satisfaite. Wow. Et toi, tu préfères? Le moment venu, je verrai. Je ne sais pas encore. Et donc ça veut dire que pour toi, c'est toujours, il n'arrive jamais que tu donnes plus que tu reçois. Non mais je donne quand même. C'est pas chaque jour la même chose. Qu'est-ce qui différencie? Les personnalités. Quand tu as une personnalité assez naze, tu fais les mêmes choses. Mais quand tu as une personnalité qui en jette, tu vois, tu fais de nouvelles choses.
Tu peux un peu nous expliquer quel genre de plaisir est-ce que tu préfères prendre? Vous expliquer? On aimerait savoir. Ouais, tu es la même longueur d'onde en fait, tu vois. Quel genre de plaisir? Ouais. Que quoi? La question en fait. Ouais, parce que tu nous as dit que tu pouvais prendre du plaisir. Non, c'est quoi ce plaisir alors? Quel genre de plaisir tu pourrais prendre? Comment mettre un nom dessus? Ah ouais. Continue, vas-y. Comment mettre un nom dessus, c'est inqualifiable. Bon ben, tu nous as parlé d'un plaisir. On aimerait savoir de quel plaisir il s'agit. Comment je peux dire? En fait, juste un plaisir. Un plaisir intense. En fait, il est savoureux, tu vois. Il a un goût? Mais bien sûr. Ah oui. C'est quoi le nom? Ah ouais, ouais. Bon, elle veut pas donner le nom du plaisir en fait. Mais dis-nous un peu le goût. C'est salé, sucré ou, en fait, ou c'est un pimenté? Mélange. Un mélange des trois. Salé, sucré, pimenté. Wow. Et toi? Sucré. Sucré, ton plaisir, il est sucré? Oui. Très sucré? Non, très sucré là. Bon, non. Okay. Bon, moi, en résumé, tu aimes donner du plaisir. Plus prendre du plaisir que tu n'en donnes, mais tu donnes quand même aussi un peu. Quand tu donnes plus, ça te procure encore plus. Ah, d'accord. Et toi, tu aimes aussi avoir du plaisir, même comme tu, pour l'instant, tu as dit que tu te réservais pour un spa? Ah ouais. D'accord. Ok, merci, c'était tout. Hein. Ouais. Ok, merci beaucoup. Merci aussi. D'accord. Ouais. C'est piégé. C'était simple, c'était piégé. C'est piégé. Ok, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'être resté là jusqu'à la fin. Pour ceux qui nous découvrent, lâchez-nous un commentaire, abonnez-vous, likez, cliquez sur la cloche de notification et surtout, donnez-vous votre avis en commentaire. Merci.